to show them what you can do, and soon they will know that the day has come. Late into the night I hear it storming, and into the rain is what I pray, and I'm hoping. Now I feel the pressure of the city, oh, how it eats me whole. So many names and faces, sleepless nights spent in unknown places, and every day I walk straight into the great unknown. Salut à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois encore, on se retrouve pour un UHC, mais c'est cette fois-ci une game très spéciale. Rappelez-vous, il y a plus d'un mois, j'avais diffusé sur la chaîne une vidéo d'UHC en double point de vue, dans laquelle je perdais contre Kidizuma en finale. C'est aujourd'hui que je prends ma revanche. On se retrouve donc sur un UHC FFA hosté sur Eclipse, qui date encore une fois de l'été dernier. Les scénarios de la game étaient fast melting, donc ça c'est un scénario qui diminue le temps de cuisson. Il y avait également Asty Boys qui donne Efficiency 3 à tous les outils, ainsi que Bleeding Suits qui fait que lors d'un kill, en plus du stuff du joueur, on récupère un diamant, 5 d'or, etc, des trucs en plus. Encore une fois, je ne suis pas tout seul dans la game, Kidizuma est présent lui aussi. On a tous les deux des débuts relativement similaires, c'est-à-dire qu'on trouve des animaux, tout ça, tout ça. Sauf que, comme vous l'avez vu, de mon côté j'ai trouvé un village avec des bibliothèques. Bref, après avoir tout récupéré à la surface, je vais m'enterrer et Kidizuma faire de même. Il va tout de suite trouver une cave dans laquelle se trouvent des diamants. Et je vais faire au record, je n'en ai absolument aucune idée. Bon, c'est seulement 3 diamants, mais ça va lui permettre de faire la pioche. Pendant ce temps, je vais moi aussi trouver une cave avec un peu d'or. Malheureusement, il n'y aura rien d'autre dedans, pas de diamants. Je vais devoir recommencer à creuser. Kidizuma va pendant ce temps être très très chanceux. Livre pas de faire son podcast, yes. Ouais bon pas vraiment, mais il va quand même trouver les diamants qui lui manquent pour faire l'enchante. Un poème de je sais plus comment il s'appelle dans français là. Il va donc miner l'opsy et faire la table d'anche. Ah bah non en fait. Il a pas de livre et utiliser un Benefit 3.4 ça ne marche pas malheureusement. Il va donc remonter pour tenter de trouver de la canne à sucre à la surface. Et tout finit bien pour Kidizuma. Malheureusement de mon côté le minage ne mène à rien. Je passe plus de 10 minutes à creuser comme ceci avant de finalement trouver une cave. Et dans cette cave, encore une fois, de l'or et encore de l'or, mais toujours pas de diamants. Je n'ai pas d'autre choix que de continuer à creuser. Pendant ce temps, Kidizuma peut s'enchanter tranquillement. Bon, il a ni arc ni enclume, ça va du coup se limiter à du Shardless 1 protection. Mais bon, ça lui suffit et il se dirige vers le 0-0. Et c'est là qu'il va commencer à avoir des joueurs. Premier kill complètement gratuit pour Kidizuma, ça lui rapporte des bottes en diams ainsi que de quoi se faire un casque, de quoi se faire du heal également, ainsi que des fils pour faire un arc. Avec ça, il est maintenant fin prêt à snowball et à faire des kills en 0-0. Avant, je peux aussi quitter capital en jouant au jeu de graphique. Mais si, bah, moi, je sais jamais assez. Tout le temps, il souhaite quand même voir. Oh yes, j'ai extrait de l'or. Allez, je vais renommer ce stream X-ray comme ça, je vois pas de voir. Oh, une grotte. Malheureusement, tout ne se passe pas aussi bien de mon côté. Après des dizaines de minutes de minage en escalier sans trouver le moindre diamant, je tombe finalement sur une nouvelle grotte. J'y trouve encore une fois plusieurs filons d'or, mais malheureusement, toujours pas le moindre diamant. Le temps passe, la grotte s'épuise, je commence à sérieusement manquer de temps, il ne me reste plus que 15 minutes pour trouver du stuff. Je n'ai donc d'autre choix que de creuser pour tenter de trouver une nouvelle grotte, qui cette fois-ci, je l'espère, sera la bonne. Mais revenons à Kidizuma, qui lui a du stuff et peut faire du kill. Faut que je monte, sinon je vais faire 10 kills. Mais le mongol ça ne fait pas en fait.
Ouais, la Mongolie, ça existait à l'époque de du roi des Mongols. Je vais renommer ce stream X-Ray comme ça. Là. X-Ray en live. Ouais, on va revenir, ça se tournera mal. C'est Madagascar. Pas Madagascar. Wouah! Oh, y'a trop de chat. Je vais faire du je passe. J'ai touché Space Starker. Il meurt! Putain! Meurt, ouais. Meurt, je trouve que t'as. Trait. Tiens, je viens me cleaner comme ça, je pourrais avoir le double kill. Putain. Salut Games. À la couche 30. Je suis plus la merde. 26. Waouh. J'ai des combos et je me suis fait combo. C'était utile. Non, je vais faire de bonnes. Il ne touche pas. Mais vu qu'il a raté sa visée, bah il touche. Ah. T'as tué. Oh. Pire commis. Ah, tu sais lancement d'archer ? Bah ça arrive. T'as tué Mike King, d'accord. T'as pas dit que t'avais trouvé un livre power 4, petit Aaron ? Si. C'est pour ça qu'il y a un arc enchant du coup. Et c'est pour ça que tu vas le tuer, que tu vas avoir un power 4 et que tu vas gagner la game. Non, parce que je vais péter. Mais vu qu'il a raté sa visée, bah il me touche. Il est boss avec de la dommage qui a environ 0 diamants. Malheureusement, encore une fois, cette cave n'avait pas de diamants. J'ai plus d'un stack d'or, ce qui n'est vraiment pas mal, mais avec mon stuff, je vais juste me faire drop. En plus, j'ai pas d'arc, donc vraiment, c'est inutile. Je continue de creuser, désespérément, dans l'attente de la cave qui sauvera ma game. Et tout à coup, l'espoir revient. Du diamant, enfin. Et il n'y en a que deux. Je suis toujours dans la même situation. Mais bon, cette fois-ci, il ne manque plus que 3 diamants, alors tout est possible. Mais bon, comme d'hab, Kidizoom est en 0-0 et continue de se fight. Et je crois que je ramasse pas l'or de péter. Péter en tout cas, ouais. Je c'est pas comme s'il était dans le là dans ce cas-là. Et non, je sais pas. Yes. Ah, j'ai quelqu'un. Meurs. Brody, il a combien? 19. 19. J'ai rien. Il a 7. Je suis à peu près. Il a 80. Bah, c'est moi, je vais le sauter. Ouais, je vais pas. Bah, allez, tu vois. Tu fais le kick. Vas-y, c'est des 4 4. 32. 32, 9. 14. J'ai trouvé son merde. 3. Putain, j'ai vu. Playco, je connaissais pas. What, tu trouves un mineshaft? Oh génial, 5 minutes avant le... En vrai, s'il est damage level, c'est pas bien. Mais il est pas damage level. Moi je me laisse. Pas de diamant mais un mineshaft cette fois-ci. Au moins je vais pouvoir me faire un arc pour me défendre. N'ayant quasiment plus de temps, je me dis que c'est trop tard et que je ne trouverai pas plus de diamants. Je remonte donc à la surface avec ce que j'ai. Je me fais une épée en diems avec mes 2 diamants et je peux ensuite fermer les pommes pour faire mes 8 gapples. J'ai donc du stuff vraiment pourri mais j'ai un arc et pas mal de pommes d'or. Tu n'es pas perdu. Fight en vrai.
Mais revenons à Killzoom. Oh, je suis lent dans mes gestes. Toi t'es à 63. J'ai vraiment beaucoup de healing. Il avait bien pas fait. Yes. C'est une blague bien tout brûlé. Ah bah. Oh, gros stuff. Gros shot, je veux dire. Oh. Il faut que je trouve les stuff. Bah là, tout à l'heure, il a tué un. Oui, il était fort en chanteur. Ah, mais il a. Peut-être qu'il doit reprendre 3 peut-être. Non, il l'a gardé, je pense, vu l'état. Oui. C'est à mon tour de commencer à fight. 4x3, il est là. Oh, j'ai 2x3 tout pété, mec. Quoi ? L'arc d'extrême roi, il a 172 de durabilité, donc il a tiré 200 flèches. Ah. J'ai donc fait mon premier kill. Même s'il n'était que full fer enchanté, ça améliore grandement ma situation. J'ai toujours très peu d'armure, mais j'ai maintenant un power 3 et une sharpness 3 en diams, ainsi qu'encore plus de healing. Si je peux choper des petits kills gratuits qui me donneront un peu de stuff, j'ai une chance de win. Monsieur Fico. Je voudrais du skill à l'orc, s'il vous plaît. Oh, le tonnerre qu'il y a à Lyon. Il y a du heal ? Le tonnerre de Brest. Ah bah non, parce que c'est à Lyon. Là. Genre, tu croises des mecs, toi. Ah, j'aime mal jouer. Avec ce kill gratuit, j'ai récupéré des bottes en diamant, ce qui améliore un petit peu mon armure. Nous ne sommes plus que 3 joueurs et Kidizoom va s'occuper du dernier. C'est... J'étais en fait là sur Osric en vrai. Oui, tu veux pas faire des aides, Gep ? Ouais, des longs shots de voir en fait. Hein, genre... Oh quoi ? Oh il pour 4 ouais. Il half diamant. Genre si tu as 34, il pourrait être full diams, mais pas du côté de Kidizoom. Il ne reste maintenant plus que Kidizoom et moi pour le fight final. Bizarrement, le combat est assez équilibré. D'un côté, nous avons Kidizoom avec 11 kills, juste face à pété étant donné qu'il est full diams, qu'il a un power cut et une charmless 3 en diamant, mais il a pas beaucoup de heal, seulement 2 golden head et une gapple. Et de l'autre côté, on a moi avec seulement 2 kills, du stuff pas ouf, en tout cas pour ce qui est de l'armure parce que je n'ai que des bottes en diams, mais sinon j'ai une charmless 3 en diamant ainsi qu'un power 3. C'est en termes de healing que j'ai l'avantage étant donné que j'ai 16 gapple et 2 golden head. Ça va donc être un fight complètement contraire. Qui va l'emporter, le healing ou le stuff, le snowball ou le BTC? C'est parti. Non, mais. Enfin, c'était soit fire, soit flame. Ah. C'est quoi ? Mais alors, le mec Gap il cache des trucs. Ouais. Mais du coup, fais-le, enfin. Ah bah, du coup, j'ai un port 4 également. Let's go. Bah, gros flame. Bah, je sais pas, peut-être. Peut-être qu'il pleut. What ? Ouais. Regarde. Attends, avec le réel diaphé tout qui change. Oh putain, tu jumpshot qu'on va jouer, je vais dans le fait. Mais tu prends tellement qu'est-ce rien. Qu'est-ce qu'on fait? T'as du proche ou pas, Gev? Non, enfin peut-être 1. Ah, mais je suis con. Et que des spots de. Ah putain. De Didier. De dingue. Ouais. Que des spots de. Ah putain. Ah. Mais what? Quel chemin? Putain, mais tu prends tellement de dégâts. Entrez, je juge rien. Putain. Et
Et c'est ainsi que la game se termine, j'ai encore perdu en finale contre Kidizoom. On pourrait croire que je me suis fait destroy vu que j'avais énormément de vie, mais en fait pas vraiment, vu que chaque flèche que je me prenais me faisait prendre énormément de dégâts étant donné que j'avais pas beaucoup d'armure et qu'il avait un power 4. Donc du coup à chaque hit que je me prenais c'était une gable qui partait, sachant que je n'ai pas fait de mur à chaque fois que je mangeais une gable, du coup il pouvait me remettre une flèche à ce moment-là. Mais bon, il a quand même mis plus de flèches que moi dans le fight, il en a mis genre une trentaine alors que j'en ai mis genre 23-24. Donc il méritait complètement de gagner, en plus il avait fait une très bonne game, il avait bien snowball alors que moi pas du tout. Mais bon, c'est pas vraiment de ma faute, c'est juste que comme souvent, je n'ai pas été très chanceux en caving. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme vous l'avez vu, j'ai passé énormément de temps, surtout pour la petite intro du début. J'aime pas vraiment insister sur ça, même si je l'ai un peu fait sur la dernière vidéo. Mais n'hésitez vraiment pas à liker et à commenter, ainsi qu'à partager, parce que j'ai passé énormément de temps sur cette vidéo. Donc voilà, j'aimerais bien que ce soit pas pour rien. Également, n'hésitez pas à check la chaîne de Kidizoom. Il sort plus vraiment de vidéos vu qu'il joue plus beaucoup à Minecraft, mais il a fait des highlights plus de cool. Donc n'hésitez pas à regarder ça, c'est dans la description. Bref, j'ai plus vraiment grand chose à dire. N'hésitez pas à liker et tout, comme je l'ai dit. Voilà, commenter, etc. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau stream. Portez-vous bien. À plus tout le monde.